Bonjour, je me présente Alexandre Leblanc, enseignant en mécanique de véhicules légers au centre de formation Compétences 2000. La mécanique de véhicules légers, c'est un programme qui est très méconnu. On va souvent entendre parler de mécanique automobile, mécanique de véhicules lourds, mais on existe nous aussi. Donc, tout ce qui est bien souvent plus le fun à chauffer, mais ça, faut pas le dire. Donc, moto, VTT, oui, il existe un DEP là-dedans. On va parler de motoneige, de VTT, de moto, de scooter, tracteur, toutes ces machines-là. On retrouve aussi des partenariats avec l'industrie, donc Bombardier Produits Récréatifs. Nos élèves peuvent venir suivre la même formation que les techniciens de Bombardier vont recevoir dans l'industrie. Le programme de mécanique de véhicules légers s'adresse aux personnes qui aiment la mécanique, les véhicules, les petits moteurs, la technologie, l'électronique, le travail manuel, physique. Il faut être débrouillard, observateur et minutieux. Moi, ce qui m'a amené ici, c'est mon intérêt pour la mécanique. Tout ce qui est petit moteur, j'ai un grand intérêt pour ça. Le programme permet d'accéder à un métier de mécanicien, mécanicienne pour des motocyclettes, des VTT ou pour des véhicules de loisirs et d'entretien. Avec ce DEP, on peut travailler un peu partout, dans des centres de location, des concessionnaires, des clubs sportifs. Le programme dure 1800 heures, soit environ 20 mois, et ça permet l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles du gouvernement. Je dirais à ceux qui hésitent de venir visiter l'emplacement, voir la variété de véhicules et de ce qu'on peut faire ici. Il y a des programmes d'élèves d'un jour. Vous pouvez venir essayer la mécanique. C'est ouvert à tout le monde.